Bonjour à vous, chers auditeurs, c'est Mister Mustache, en direct du complot d'Aigen, une map aventure créée par la team Flan, une team complètement folle, qui a fait, ma foi, une très bonne map. Et nous allons découvrir, quand on s'était quitté, nous venions d'entrer dans cette ville qui s'appelait Tolkien, et nous voulions en découvrir tous les mystères. Tous les mystères de cette map aventure, et de cette ville totalement folle. Donc quand on s'était quitté, nous avions fini le campement là-bas. C'est un campement, oui. Ne vous méprenez pas, moi aussi j'ai cru au début que c'était une ville du désert, mais non. C'est un campement. Un campement du désert. Bonjour, je vole tout comme à mon habitude. On m'a appris ça quand j'étais petit. Pour moi, c'est la politesse. Ah, clic, merci. Un distributeur d'argent, tout simplement. Ma gorge me trahit. Oh mon dieu. Bonjour. Ah, bonjour. Merci. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, vous... Ah, vous dormez en hauteur. Vous avez raison. Au cas où il y a une inondation, hein, c'est pas comme si vous habitiez dans la ville du désert. Pas de problème. Quand je tape sur le sol, ça sonne creux. Poc, poc. Oh, oui, en effet. Peut-être y a-t-il quelque chose là-dessous? Je vais trouver un moyen de descendre, il faut que je sois sûr. Oh le mec, c'est... Il perd pas de temps le mec, c'est parti, il y a un interrupteur ici, boum, paf, allez. Bonjour, merci. Oh, c'est parti. Nous avons une quête secondaire les amis. Rien d'ici, juste de la lumière. Juste de la lumière. Instance secondaire découverte. En l'attente d'un jugement dernier. Ah, ça fait peur ça, le jugement dernier, les amis. C'est parti! Vous êtes morts. Vous êtes tous morts dans d'atroces souffrances. Bonjour. Journal de Sir Guldarf, juge incontesté de Tolkien. Cela fait maintenant des années que je chasse les plus bons d'entre nous pour une poignée d'or. Des années où j'ai volontairement amené des innocents dans cette terrible salle dont nul n'en est ressorti indemne. Et maintenant, voilà ma tête mise à prix. Je n'ai plus qu'à protéger ce que j'ai amassé durant toute ma vie et à éliminer les âmes impures. Il va falloir que je m'y rende pour me préparer contre l'individu qui est responsable de ma venue. Oh, ça fait peur. Oh, ça fait peur. Donc il y a vraisemblablement un juge pourri qui amasse des millions de... Non, vous êtes fous! Vous êtes fous! Qu'est-ce que vous faites? Non, arrêtez-toi. Vous êtes fous! Mais laissez-moi au moins un espace de... Oh mon dieu. Bonjour. Vous trouverez cette instance à Erimals. Ces dernières se trouvent de l'alchimie dans une source. Non, près de l'alchimie dans une source. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Attendez. Ah d'accord, c'était pas l'instance là. C'est juste un... D'accord. Très bien. Donc il faut que je retourne à Erimals. Vous vous foutez de moi? Je vais m'énerver. Je vais m'énerver, les amis. Très bien. Oh merde, j'ai faim. Bon, on va acheter des trucs à Tolkien. Et ma foi, bon, non, on va faire l'instance secondaire, je pense. Principale, pardon. Parce que ça me fait un peu chier de faire des allers-retours comme ça. Mais il faudra pas oublier. Ah, un coffre. Merci. Faudra pas oublier que. Nous avons un truc à chercher là-bas. Une instance secondaire à terminer. Une dette que nous devons accomplir. Bonjour. Hop. Qu'est-ce qu'il y a ici? J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent pour acheter un équipement totalement perma-craqué, comme dirait l'autre. Comme dirait Bob Lennon. Très bien. D'où je viens? Bah, c'est parti. C'est présence d'une quête secondaire. Oh mon dieu, ça brûle. C'est le foyer de l'auberge. Je crois que je suis arrivé à l'auberge. Est-ce qu'il y a un truc caché? Il y a toujours des trucs cachés derrière les tableaux. Non. Non, pas du tout. Message du tavernier. Ces satanés bestioles dans ma cave à vin? Jamais! Celui qui aura le courage de m'aider sera hautement récompensé. Descendre aussi intéressé par l'offre proposée. Eh ben moi, je suis toujours intéressé par l'offre proposée. Ne t'inquiète pas, je prends d'abord ton or. Hein? Parce que, bah, un petit à-compte, hein, ça s'avère utile. Au cas où j'ai pas envie, en fait, de le faire. Ce doit être la cave à vin.
J'entends une chute d'eau. Je pense qu'il va falloir plonger pour continuer. Très bien, mais où ? Très bien, mais où ça ? Ah d'accord, très bien. Hop là. Instance découverte. Que la dératisation commence. Eh ben, je suis un dératiseur expérimenté, moi. En réalité, je vous l'avais caché, cher auditoire, mais je suis très fort pour dératiser les maisons. Appelez-moi. Appelez-moi, je fais aussi le femme de ménage. Il faut que j'active deux mécanismes pour passer. Très bien. Ne t'excite pas comme ça, je vais le faire. Je vais le faire, pas de problème. Hop, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe. J'ai peur. Zone condamnée. Risque de contamination. Eh ben... pas besoin de me le dire deux fois, je n'y vais pas, t'inquiète pas. Hop là, qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout. Juste de l'eau pour effrayer. Bonjour. Ah, super. J'ai appuyé sur un interrupteur. Et sur un deuxième. C'est tout? J'ai trouvé le secret? Est-ce que j'ai trouvé le secret? Dites-moi. Du fer. Merde. J'ai pas de pioche. J'aurais une pioche, je l'aurais pioché. Rien à foutre. Évacuation condamnée. Risque de contamination. Très bien. Je regarde s'il n'y a pas... Il faut que j'active deux mécanismes pour passer. J'en ai activé un, c'est ça? Donc on va aller ici. Mon Dieu. Ça fait peur ici. Hein. Vous trouvez pas? Moi je trouve. Je trouve que ça fait peur. Bonjour. Est-ce qu'il y a un interrupteur activé ici? Non. Non. Rien du tout. Très bien. Ah, il y a peut-être des interrupteurs. Il y a peut-être des interrupteurs activés ici. Bonjour. Oh merde, je suis bloqué. Oh non. Ah, ça c'est terrible. Ah, les labyrinthes, moi c'est pas du tout mon truc. Hein. Vous allez me demander qu'est-ce qui est mon truc? Bah rien, à vrai dire, rien du tout. Très bien. J'ai l'impression d'être déjà passé par ici. La phrase, vous savez. La phrase qu'on dit tous dans un labyrinthe. J'ai l'impression d'être déjà passé par ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je peux zoomer. Oh! J'ai une longue vue, c'est ça? J'ai un truc spécial? C'est quoi ces conneries? On m'a pas dit ça. On me l'avait pas dit. J'aimerais qu'on me prévienne quand j'ai des aptitudes. Oh mon Dieu. On pourra faire un petit remix dubstep un jour. Un petit remix dubstep. Oh mon Dieu. Oui, mais ça devient ah. Est-ce que je peux sauter? Parfait. C'est parti. Non. Chut. Bois-tu pas? Bois-tu? Chut. Non. Je triche. Rien à foutre. J'ai pas envie de perdre tous mes équipements. Arrête de brûler. Tu es fou! Surtout si c'est pour que dalle. Oh! Non! Qu'est-ce qui se passe ici? J'en ai marre! J'ai triché, oui, alors. Je n'ai pas du tout honte. Regardez, là, je l'ai bien fait. Ça en vaut, ça. C'est bon, j'ai rattrapé mes péchés. J'ai repenti mes péchés, pardon. Désolé si j'ai triché, mais je voulais pas, tout simplement. Je voulais pas mourir comme à peu près tout le monde dans cette terre, dans cette planète, bleue de la vie. Et c'est la fin de l'épisode, donc on va se quitter sur cette triche lamentable, en espérant que je trouverai un moyen de sortir de cette prison de fer et de pierre. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Cher auditoire, c'était Mister Mustache en direct du complot d'Hagen dans Minecraft. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. On se voit quand on se voit. Salut.